Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du richissime archéologue avec notre très cher Iowa Jones. Iowa, toujours aussi un beau gosse, on va pas se le cacher. Et il était à la porte de ce temple, donc on va forcément ouvrir en deux ces lianes qui l'empêchent de passer. Et on va croiser très fort les Diwa pour... Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Oh, il est seul, Bichette. Bah, tu parleras au squelette. Allez, vas-y. Donc, on va croiser très fort les doigts pour les reliques qui nous manquent. Hein, parce que, voilà. Allez, c'est parti. Traverse-moi cette petite arche. Oh, c'est encore l'œuf mystérieux. Qu'est-ce qu'on va faire avec Iowa? Ben, compétence physiologie de ouf. Donc, bon, voilà. Œuf extraterrestre. Ok, on a récupéré encore un autre machin. Super. Bon, bah, go au temple. Hein. Et nous voilà au temple! Au temple! Alors, il a faim, il a besoin d'hygiène et de social, le bichette. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose là. On va attendre de rencontrer le petit squelette du jour. Tu vas donc examiner ça. Examiner ça. Ici, on peut faire la fête, je peux même boire un coup. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui est venu pour la fête. Oh, mais il y a des fossiles aussi à creuser, ça, c'est trop cool! Pour l'hygiène, allez, tu vas aller faire des petites longueurs. Il a déjà découvert ce qu'il faut? Ah oui! Bah écoute, ça sert à rien d'examiner le reste, mon coco. Tu pourras faire ça après avoir creusé. Oui, creuse, trouve-moi le fossile manquant. Trouve-moi le fossile manquant. Et puis après avoir fait ta petite nage. Allez, mesdemoiselles et messieurs. Mesdames aussi, pourquoi pas. Un petit peu de Iowa en maillot de bain. Voilà, ça lui remonte légèrement son hygiène, c'est toujours ça de pris. Allez, go! Le petit squelette du milieu qui nous ouvre la porte. Ah oui, c'est avec la petite salle comme ça. Alors, du coup, bah, on va passer dans cet étroit, trop, beaucoup trop étroit tunnel. Et c'est le nom-nom ici, et ça, et puis bah lui, il sert juste de décoration. Tu peux pas lui parler, celui-là, par contre. Alors, qu'est-ce qu'il te raconte, celui-là? Est-ce que t'as trouvé? Non, il n'y a rien qui fonctionne sur celui-ci. Donc, ce sera forcément là. En espérant que tu te fasses pas arracher la main. Donc, t'as intérêt à trouver, mon coco. Alors, le petit casse-dalle. Essaie de mettre la main dans le trou. Arbre. Donc, arbre. C'est celui-là. D'accord, bah oui. J'avais pas vu le tronc. Et hop là. Ah bah! Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est que... Quoi? C'est un squelette vachement fashion que nous avons là avec le petit béret. Eh bah, non, pas dragueuse, bah non. Alors c'est quoi? C'est une fille, c'est quoi? Ribi. Gardien. Non, c'est un gars en plus. Tu vas te présenter de façon salvadoradienne et tu vas lui signer un autographe, peut-être qu'il sera content. On sait pas. Effectivement, il est très content, le petit squelette là. Allez, tu vas chanter, tu vas parler de la température fraîche, tu vas illuminer sa journée, tu vas parler du temps nuageux, voilà, tu te fais plaisir, mon petit. Et tu vas lui faire une petite blagounette, parce que t'as besoin de parler, et sinon tu vas me casser les pieds. Bon, quand t'auras fini de papoter, oh, un petit trésor, tu vas me l'ouvrir celui-là, tu vas examiner ça. Et puis, il y a encore d'autres trucs, donc bah cool, hein, Raoul, hein, il y a de quoi faire hein, dans ce temple, on s'ennuie jamais. Alors? Relique d'or ou relique pas d'or? En tout cas, en général, c'est plus dans le dernier coffre hein, qu'il y a des reliques d'or, mais... Oh, une relique de Palampalso. Est-ce que j'ai le droit de rêver, vous pensez? On va aller regarder ça. Un koutal à identifier. Et non, c'est une relique de caca qui ne nous intéresse pas. Ah, ça y est. Alors là, c'est le glyphe feuille. Bah viens, on s'en fiche de l'autre. Viens là. Tu vas mettre ta main dans le trou. Hein? Faut pas sortir ça de son contexte, hein, parce que sinon. Et ça ouvre la porte. Ici, nous avons rien. Ah bah si, parce que c'est la fin. Oh, y a qu'un coffre. Oh, c'est l'arnaque un peu quand même là. Je te vous cache pas que c'est un peu la déception qu'il y ait qu'un seul coffre, mais bon. Peut-être qu'on va trouver à l'intérieur tout ce qu'il nous faut. Exploration du temple terminée. Une assiette, une base de reliques du chaos, une base de reliques de la mort. Mais ouais, mais moi je m'en fous. Si c'est pas en or, je m'en fous hein, des reliques, mais vraiment royal en fait.
Putain, mais c'était un temple de merde, hein. C'était un temple de merde! C'est déception, là! Allez, tu vas me faire un site de fouille ici, puis tu vas fouiller là, hein, dis donc. Oh non, tu vas pas y aller en vélo, quand même. Il a sorti son vélo. Ah, je vous jure, il va m'en faire des conneries avec son vélo, lui, c'est pas possible. Bon, bah c'est le réveillon du jour de l'an, et Iowa, ben, il est au fond d'un temple en train de creuser de la terre. Tout en refoulant un petit peu des aisselles. Oh! Un fossile! Vas-y! Arrête de faire des trucs, un simien fossilisé. Oh bah ça a servi à rien. Ok, bon bah on va retourner à la location. Bon avant, on fait une petite pause buisson. Sinon c'est pas drôle. Et puis après on y retourne quoi. Bon allez, mais qu'est-ce que tu fais? On va pas tergiverser, tu vas dormir. Allez, tu vas pas dormir avec ton vélo. Hein? Oh ton vélo, je sais que tu l'aimes bien ton vélo, mais va te coucher quoi. Oh là là, est-ce que c'est long. Allez mon coco, tout va bien se passer. Ce n'était qu'une petite siestasse, hein, parce que sinon, il est 16h, il va pas se lever. Voilà. Je veux qu'il garde un espèce de rythme à peu près correct. Donc là, il a quand même bien dormi. Il se fasse repimper un petit peu. Tu vas aussi creuser ça, hein. Voilà, c'est très intéressant, quoique c'est pas un fossile. Donc logiquement, on l'a dans le huc, mais bon. On fait ce qu'on peut comme on peut. Voilà, un petit peu de danse, hein. C'est bon, je commence à vous connaître. S'il n'y a pas de danse, vous n'êtes pas content. Alors qu'on a eu le petit passage en maillot de bain, mais bon. Bon, là, il. J'ai connu mieux sa danse. Là, je sais pas trop ce qu'il fait, mais. C'est pour la Simbrumba. Un petit tour au bar, histoire de discutailler avec la population. Vas-y, t'as signé un autographe. En même temps, c'est quand même un richissime archéologue. Voilà, il est célèbre, riche, il fait des dons au musée. C'est normal que les gens soient impressionnés de le rencontrer quand même. Hein? Et comment il s'appelle celui-là? Tibiérus. Bah oui, bah c'est un nom de squelette ça. Esqueleto, bah oui. Voilà, c'est pas le même que dans le temple, mais il aurait pu. Eh mais oui! J'ai oublié que c'était le réveillon, c'est pour ça qu'il est en train de picoler. Moi, il va s'acheter des chutes d'eau en bouteille, parce que comme il aime bien puer dans les temples, au moins il aura de quoi se laver. Ah, c'est dingue, j'avais oublié cette histoire de Nouvel An, moi. Du coup, il y a pas mal de monde hein, qui regarde la téloche. Mais c'est cool! Parce qu'il va pouvoir s'amuser et tout, et puis voilà, penser à autre chose pendant un certain temps. Du coup, il s'est habillé tout beau, là, il a mis son beau costume, et puis on va essayer de lui faire faire la fête. Hey, tu pourrais prendre une résolution? Qu'est-ce qu'on pourrait te faire faire comme résolution, d'ailleurs? C'est bon. T'as tellement trouvé ça. Alors oui, trouver ça moitié, mais ce sera pas tout de suite, malheureusement. Ce sera pendant qu'on fera le bachelor sur Twitch. Hein? Aspiration, ben, je pense pas. Promotion, non. Améliorer une compétence, écrire un livre, bah, améliorer une compétence, hein, quelle qu'elle soit, on verra bien. Hein. Bon, bah, super, il l'a déjà fait. Il a chanté un truc et ça y est, il a pris sa résolution. C'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop facile. J'ai envie de dire, ils ont un souci avec une coiffure dans le coin. Celle-ci, celle-ci et celle-ci, c'est la même coiffure, mais en trois couleurs différentes et trois couleurs absolument pas, ben, on va dire naturelles. Tout va bien. Oh là! C'est l'heure du chouchoubi! Chouchoubi! Vas-y, regarde le décompte! Oh, ça va, on a encore le temps! On a encore le temps, mais là, ils vont tous à chouchoubi, hein, vous avez vu ça? Chouchoubi, hein, attention tout le monde, hein. Du coup, Iowa ici, mais aussi. Oh, c'est chouchoubi, qu'est-ce que t'es beau! Oh purée, ils sont complètement starbés ces Sims. Chouchoubi! Ah, c'est. L'effet de foule, hein! Attention! Wouhou! Incroyable! Bon, il faut que tu trouves une nanette. Ah! Pour finir ta nuit, Iowa, non? Tu crois pas? Elle est mignonne celle-ci! Tout le monde se barre, bah putain, ils font pas beaucoup la fête ces gens-là, hein. Incroyable. Allez, bon bah elle va peut-être rester. Mais les mecs, genre ils sont fatigués à minuit une, ils sont déjà en train de partir rentrer chez eux quoi. C'est quoi ces Sims, franchement? Oh bah ça y est, on a appuyé sur l'interrupteur là. Je pense que ça... rencontre accommodante. Ah bon? Mais pourtant il est très enjôleur et elle est enjôleuse aussi. Bah alors ça pourrait matcher, hein. Allez.
Il n'y a pas de raison. C'est pas lui son mec, hein. Elle a pas de mec, elle est pas mariée. Donc on s'en fout. Nous on y va à fond, hein. Bon, par contre, mec, on veut pas te draguer, nous, hein. Voilà, hein, les muscles c'est que pour elle, hein. Dis donc, ma chérie, tu veux tâter ça ou pas? Parce que bon, j'ai pas envie de finir la soirée tout seul, donc c'est quand tu veux. C'est ça, t'as raison, éloigne-toi du gars pour lui parler. Ah, ben voilà! Mais pourquoi il y a tout le bar qui est en conversation avec eux, là? Ça ne va pas du tout! Il y a que sur elle que je clique, hein, quand même. Allez, drague-la! Elle est perfectionniste, je pense qu'avec toi, ça devrait bien se passer. Mais quoi? Maintenant, on lui a foutu un vent! Mais meuf! Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va rentrer à la location et tu l'embarques et puis elle aura pas le choix. Et voilà, ici vous allez être tranquille. Tu vas pouvoir la redraguer. Et puis vous allez pouvoir venir ici discuter au bord de la cheminée. Ah, tu vois? C'est juste qu'elle avait un petit peu honte devant tout le monde. Mais honte de quoi? On sait pas trop. Peut-être qu'elle trompe quelqu'un au final. Mais la tête qu'elle fait, la pauvre, on dirait qu'elle est contrainte et forcée. Bon, effectivement, elle va pas avoir beaucoup de choix. Mais c'est pas grave. Allez, amour, chuchoter des mots doux. Eh, c'est bon là, zut, hein. Ça commence à devenir long pour la draguer, celle-ci, hein. Non, parce qu'à se laisser désirer, après, Iowa, il va pas pouvoir faire ce qu'il faut, hein. Oh, les chatouilles! Oh, les chatouilles! Rapprochement, malice, tout ça. Oh, bah oui, Iowa, mais c'est parfait, ça! Ah là là, moi, je vous dis, c'est bien parti. Et ben, voilà! Emballé, c'est pesé, la petite Renata. Oh non! Oh, tu peux pas me faire ça, Iowa! Oh! Me reprends des forces parce qu'après tu mets le couvert. Et surtout tu sors couvert d'ailleurs. Et sinon ça te dit que on teste le matelas parce que j'y ai dormi que tout seul. Je voudrais voir si ça réussit à mes assauts. Eh bien sexy et endiablé. Oh, oh. Bon et ben voilà, il a fallu le temps qu'elle se décide madame, mais c'est bien parti. Voilà, Iowa il fait son propre feu d'artifice pour sa propre nouvelle année. C'est un Iowa en forme, là, on est encore... Ouais, j'allais dire ce matin, mais on n'est plus trop le matin, on est en début d'après-midi. Tu viendras creuser ça, et puis, ben, direction le prochain temple, tant qu'à faire. Allez, go! Pour le nouveau temple. Ah, les moustiques. En espérant qu'il soit moins pourri, hein, que celui qu'on a fait en début d'épisode, parce que... Bon, franchement, faut pas déconner, c'était pas terrible. Ouais, GG, mon Iowa. Et la rencontre avec le cabier, on va faire le charisme, et pourquoi pas. Et on va récupérer une récompense, et bien sûr on va au temple. Et dans le temple du jour, qu'est-ce qu'il y a mon amour? On va y aller tout de suite, oui, tout de suite. Oh bah, j'ai encore l'impression de... Bref, de faire un peu... Bon, écoutez, je commence à être blasé des temples, enfin blasé non, mais c'est vrai qu'ils sont... Là, c'est la même structure qu'on avait un petit peu avant, donc c'est normal, hein, j'ai fait le tour, je pense, de tous les temples, mais je suis là, on l'a eu trop beaucoup ces derniers temps, quand même, je vais pas pour vous cacher. Alors, celui-ci, il a trois noms et un peut-être, et là, c'est trois noms et un peut-être. Bah écoute, tu vas faire le peut-être là-bas, déjà, hein, on espère que... Et non. Ah si, c'est jaune, c'est ok. Ah, j'ai l'habitude du bleu, moi. Excusez-moi, hein, Jean-Clévin. Moi, je ne sais plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons les squelettos là. Et c'est tout. Bon, bah, moi, c'est rapide. Ah, bah, heureusement que t'as découvert le mécanisme. Parce que sinon, bon, que te dire? Tu te serais cramé les fesses? Oh là là, il est heureux, il en pleure. Et dis donc, il est trop fort, Iowa. Alors, nouvelle porte qui s'ouvre. Regardez, c'est exactement la même chez moi que celui qu'on a fait au début d'épisode. C'est juste qu'il y a plus ou moins de fougères et de décorations, mais c'est à peu près ça. Regarde, celui-là, c'est trois noms, peut-être. Pardon. On va voir avec Nom Nom. Et alors, et Nom Nom, tu vas insulter la pierre qui s'écroule. Ah, oups! Oups, ça ne marche pas. Il t'a pété la tronche. C'est tout? Bon,
Bah voilà. Allez, il n'a pas été très menaçant. Tu vas m'activer en mettant dans la glyphe arbre pour l'autre. Hein. Et là, ça marche. Comme quoi, on peut pas avoir bon à tous les coups. Nous avons un nouveau nom-nom ici que tu vas venir examiner. Un petit coffre que tu vas venir ouvrir. Et tu vas réexaminer ce truc-là. Ah, et puis encore un nom-nom ici. Bon, on va voir, hein, de toute façon. Allez, go. Quel joli trésor. M'as-tu trouvé, mon petit chat? Une relique de Palampalso. C'est cool, ça. Bon, ça sert à rien que je regarde. Je suis sûre qu'elle est pas dorée. Mon dernière chance de trouver directement quelque chose avec le dernier nom-nom. Ok. Ah bah d'accord. Aucun ici, donc ça sera forcément là. Et celui qui était un peu tête s'est raconté une blague de squelette. Allez, va faire rire cette tête de bois. Enfin, cette tête de pierre. Et tu sais ce que ça fait quand on frotte deux cailloux entre eux? Ah bah ça te fait rire, t'as même pas la réponse. Mais au moins c'est gagné. C'est gagné, c'est super, ouais! Allez hop, deux trésors ici. Donc deux fois plus de chance d'avoir des reliques en or! Eh oui, on vient spécialement pour ça, hein. Ça est le dernier fossile qui nous reste, mais bon. Allez. Pousse, petit vent. Ouais. Pereira. Ok. Oula, t'es où? T'es là-bas. Je me suis perdue dans les limbes de la terre. Et ici? Alors, réussite, Rosebud? Quoi? Gagner 1 million de simflouz dans un seul foyer? Mais non! Mais on est à 500 000. Oh, oh, ça veut dire qu'on a gagné plus de 500 000, 1 million de simflouz avec Iowa? Oh la vache! On a... Alors, Pereira, relique de Totekeyama, une base de relique du chaos. On a gagné en tout 1 million de simflouz avec Iowa. Partez, achetez le pack de la jungle hein, et faites un voyage d'une semaine, vous serez riche. Votre sim sera riche. C'est pas possible. Alors, on a des Pereira, là, bien sûr, comme d'habitude. Mais non, mais on n'a aucune relique en or! Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Mais non, mais ça m'intéresse pas les autres reliques. Oh purée. Non, c'est vraiment dégueulasse. Ayuwa, le respect est mort. Il va sortir du temple et... Pour ça, il le fait à vélo. À Paris, à vélo, on dépasse les motos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Allez, et eh ben go rentrer à vélo, hein. C'est parti, mon zizi. Dans les yeux d'Ayuwa. La jungle, tu verras. Magnifique. Et du coup, il est déjà de retour. Alors, les trucs ont pas repoussé ici. Bah, mon coucou, bah voilà, tu vas pouvoir faire ta petite vie. Hein, tranquille et mille. Ah, il n'y a plus rien à manger. Et bah, tu vas faire à manger. Alors, tu vas servir le dîner. Bon petit chili, allez. Vous savez ce que ça veut dire? Kalassimruma annonce aussi la fin de l'épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On n'aura pas beaucoup avancé, ben encore moins en fait que l'épisode de la semaine dernière. C'est un peu frustrant parce que bon, ben, vu qu'il reste que les reliques et le dernier fossile, je ne compte pas l'aspiration puisque la construction de la maison d'Aiwa est toujours en cours. Elle a déjà atteint le seuil de 355 000 simflouz alors qu'on est très 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 loin d'avoir fini de la meubler et de la décorer. Donc, de toute façon, le petit, il faudrait qu'il engrange pas mal de pesetas pour pouvoir l'acheter. Voilà. Allez, moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager la chaîne sur tous les réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître. Des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao!